De retour à la clinique de Yosefka, on peut retourner en direction de la salle dans laquelle nous nous sommes réveillés. La porte est fermée, il y a un personnage derrière cette porte, on va aller lui parler. Vous êtes. en train de chasser Dans ce cas, je suis navrée, mais. je ne peux pas ouvrir cette porte. Je suis Yosefka. Les patients de ma clinique ne doivent pas être exposés à l'infection. Je sais que vous chassez pour nous, pour notre ville. Mais je regrette. Prenez ceci. C'est tout ce que je peux faire. Maintenant, partez et bonne chasse. Avez-vous encore besoin de quelque chose Je n'ai rien de plus à vous offrir. Je vous en prie, essayez de comprendre ma situation. Je ne peux que prier pour que votre chasse soit fructueuse. Derrière cette porte, une jeune femme nous parle. Elle se présente comme un médecin du nom de Yosefka et sait que l'on participe à la chasse. Malheureusement, elle ne peut pas nous ouvrir la porte car elle craint qu'une infection ne se propage dans la clinique. La seule aide qu'elle peut nous apporter, c'est de nous donner de quoi nous soigner grâce à une fiole de sang de Yosefka. Apparemment, la ville est en proie à une maladie et Yosefka tente de soigner ses patients et de les préserver d'une potentielle infection. Fiole de sang de Yosefka. Fiole de sang obtenue à la clinique de Yosefka. Ce sang raffiné, très revigorant, restaure davantage de PV. Rare et spécifique à la clinique, c'est le fruit d'un processus de raffinement lent et précis. N'oublions pas que lorsqu'on nous dit restaure davantage de PV, il faut comprendre que ça restaure en fait un pouvoir ou une volonté de survivre. Certes, d'un point de vue vidéoludique, la barre de vie représente l'énergie vitale du personnage et si elle tombe à zéro, on meurt et on peut retenter notre chance. Mais dans Bloodborne, la barre de vie est la représentation visuelle d'une force invisible qui maintient le personnage en vie. Une volonté qu'il a en lui et qui lui permet de continuer à se battre pour sa propre survie. C'est très important de garder ça en mémoire. Je ne parlerai pas de la version japonaise de cet encadré associé à la statistique des PV, étant donné que la traduction y est très fidèle. La version japonaise de la description de la fiole de sang de Yosefka précise que ce type de fiole de sang est rare, parce qu'il requiert beaucoup de temps et d'efforts pour sa création. De plus, elle signale que c'est sans doute Yosefka elle-même qui l'aurait conçue. Une conclusion à laquelle nous pourrions arriver grâce au nom de cet objet dans la version française, mais cette information n'apparaît pas telle quelle dans la description. Yosefka refuse de nous ouvrir la porte de la clinique. Mais voyons voir ce qu'il se passe si on tente d'entrer par la force. Arrêtez oh, S'il vous plaît, arrêtez. Ce sont les monstres qu'il faut chasser. Pourquoi vous conduisez-vous comme eux Ce n'est pas vraiment vous, pitié. Arrêtez. Si on attaque la porte, Yosefka compare le personnage au monstre qu'il doit chasser. Tant que l'on n'a pas attaqué trois fois d'affilée cette porte, on peut toujours compter sur sa coopération en lui reparlant. Vous êtes plus calme oh, Dieu merci. Ne vous laissez pas dominer par la chasse. Rappelez-vous qui vous êtes. Vous n'êtes pas un monstre. La chasse aux monstres semble avoir un effet néfaste sur l'homme. On peut mettre en relation les mots de Yosefka avec la description de la canne-fouet qui indiquait que les chasseurs utilisaient la forme-fouet de cette arme parce que ça les rassurait quant à l'intégrité de leur âme. En japonais, la description mentionnait qu'utiliser le fouet était peut-être une tentative pour le chasseur de ne pas se faire engloutir. Par le sang des monstres lors de la chasse. Cette partie du dialogue de Yosefka en japonais reflète la même idée que la Kanfu d'ailleurs. Elle dit quelque chose comme Faites attention, ne vous laissez pas engloutir par la chasse ce qui apparaît en français comme Ne vous laissez pas dominer par la chasse. Le Rappelez-vous qui vous êtes démontre que la chasse peut faire oublier aux personnes qui elles sont. Intéressant. Arrêtez oh, S'il vous plaît Arrêtez Ce sont les monstres qu'il faut chasser Pourquoi vous conduisez-vous comme eux Ce n'est pas vraiment vous, pitié Arrêtez Vous n'êtes pas mieux qu'un monstre. J'aurais dû m'en douter. Si on attaque trois fois d'affilée la porte, Yosefka arrête de coopérer avec le personnage. On ne peut plus lui parler. Elle compare le personnage à un monstre, étant donné son agressivité qui rappelle l'agressivité dont faisaient preuve ces personnages recouverts de poils que nous avions croisés au centre de Yarnam. Étant donné qu'on a besoin de Yosefka pour la suite de l'aventure, je vais simplement recharger ma partie pour qu'elle coopère de nouveau. Allez, on va sortir de la clinique de Yosefka, et donc on va retourner au centre de Yarnam. Normalement, dans ces jeux-là, quand on reset une zone, les ennemis euh, réapparaissent. Alors là, on voit que le loup-garou n'est pas apparu, mais euh, par contre, les ennemis qui étaient postés juste à côté de la clinique de Yosefka, juste ici, eux, ils sont réapparus. On va se débarrasser que de celui-ci et on monte à l'échelle. Tout en haut de l'échelle, on va entendre un personnage tousser. On va se rapprocher de la source d'où provient cette toux. Gilbert un étranger comme vous vous avez dû passer de bons moments Yharnam a une façon particulière d'accueillir les visiteurs je crois pas être capable de me lever même si je le voulais mais je veux agir si on peut encore faire quelque chose cette ville est maudite quelles que soient vos raisons vous devriez partir d'ici le plus vite possible Quoi que vous cherchiez ici, vous en tirerez plus de mal que de bien. Du pâle sang, vous dites hein j'ai Jamais entendu parler. Mais si c'est du sang que vous voulez, vous devriez aller à l'église du Remède. L'église détient la clé de la thérapie du sang et des différentes sortes de sang. De l'autre côté de la vallée, à l'est de Yernam, se trouve la ville de l'église du Remède. Qu'on appelle le faubourg de la cathédrale. Et, au cœur du faubourg de la cathédrale, se trouve la grande cathédrale. C'est là-bas qu'on puise le sang particulier de l'église du Remède. Il paraît. Les Yarnamiens ne parlent pas beaucoup avec les étrangers. En temps normal, ils ne vous laisseraient pas approcher de l'église, mais la chasse est ouverte cette nuit. C'est peut-être l'occasion, ou jamais. De l'autre côté de la vallée, à l'est de Yarnam, vous trouverez le faubourg de la cathédrale. Il renferme dans ses ruelles la grande cathédrale, la sauce du sang, paraît-il. J'ai jamais entendu parler de pâle sang, mais c'est votre meilleure piste en ce qui concerne les types de sang particuliers. <laughs> Gilbert est malade, il tousse beaucoup et dit ne pas être capable de se lever même s'il le voulait. Lui aussi identifie le personnage comme un chasseur, et il sait qu'il n'est pas de Yarnam, sans doute en se basant sur la tenue qui n'est pas typique de Yarnam. Il précise que les étrangers ne sont pas les bienvenus à Yarnam, mais il veut aider notre personnage. Selon lui, la ville est maudite. Et il nous recommande de quitter la ville au plus vite et par tous les moyens, quels que soient nos plans. Il dit Quoi que vous cherchiez ici, vous en tirerez plus de mal que de bien. Le personnage semble questionner Gilbert à propos du palsan, mais il ne sait même pas ce que c'est. Pensant qu'il s'agit de sang, Gilbert indique alors le chemin de l'église du remède parce que selon lui, c'est à l'église du remède qu'on pourrait y trouver tout le savoir lié au sang. Pour ce faire, il faut aller vers l'est pour atteindre un quartier de Yarnam qui s'appelle le Faubourg de la Cathédrale, afin qu'on puisse se rendre à la Grande Cathédrale. Le sang particulier de l'église du Remède proviendrait de la Grande Cathédrale, selon Gilbert. Hein hein Quelque chose ne va pas. Oh, oh. Arrêtez immédiatement ces sottises. Hein hein euh, quelque chose ne va pas. Arrêtez immédiatement ces sottises. On dirait que vous avez fini par craquer. Quel dommage. Une dingo de plus à Yarnam. En attaquant la fenêtre de Gilbert, ce dernier considère que le personnage a fini par craquer et par devenir un dingo de plus à Yarnam. Bref, la ville semble très accueillante. Le genre japonais est beaucoup plus vulgaire qu'en Occident. Voici ce que dit Gilbert dans cette version. Évidemment, on a besoin de Gilbert, donc on va recharger encore une fois la partie, puisque là, il n'est plus possible de lui parler. On va continuer notre exploration du centre de Yarnam. On ramasse des galets. Galet, petit galet que l'on trouve un peu partout à Yarnam. Les lancer sur les ennemis est particulièrement jouissif. La seule chose intéressante ici, c'est le design du galet, puisque ça ressemble à un globe oculaire. On voit qu'on peut vraiment euh, rester à distance hein, avec la canne fouée. On va ouvrir ce raccourci qui mène à la clinique de Yosefka. Et là, il y a un ennemi un peu particulier, puisque c'est le seul ennemi de ce type euh, au centre de Yarnam. Alors je vais essayer de vous montrer quelque chose. Voilà. On peut voir qu'à sa ceinture, il a euh, des têtes de monstres. Donc il doit sans doute participer à la chasse. A savoir que cet ennemi, dans le guide officiel, il est appelé un bourreau. Euh, donc on va aller par ici. Normalement les ennemis sont partis au fond. Donc euh, je vais être euh, tranquille pendant un tout petit moment puisqu'ils vont, ils vont revenir. Vous êtes cette étrangère Eh bien je suis navré mais je ne veux rien avoir à faire avec vous. Mettez les voiles, ok l'intruse qui ouvrirait sa porte par une nuit de chasse. Fichez le camp, tout de suite. En frappant aux diverses portes, on peut voir que Gilbert avait raison, les Yennarmiens ne semblent pas aimer les étrangers. On va s'occuper de lui Alors je m'arrête parce que on entend des cloches. Il arrive que parfois euh, on entende des cloches sonner dans le centre de Yarnam. Il y a beaucoup de joueurs qui pensent qu'il s'agit d'une mécanique asynchrone. À savoir que quelque part dans un autre plan d'existence, dans un autre monde, un autre joueur aurait atteint la grande cathédrale et défait le boss qu'on verra plus tard. Cette mécanique, elle était présente dans Dark Souls 1. Mais je n'ai jamais rien vu par rapport à une confirmation officielle que cette mécanique est présente également dans Bloodborne. Ici, nous sommes en hors ligne, donc il n'est pas possible de parler de features de gameplay asynchrone qui est propre aux multijoueurs. Selon Masaaki Yamigawa, le producteur du jeu, les cloches qui retentissent servent à annoncer le début de la chasse. Alors par contre, ce ne sera pas la seule fois où une cloche se fera entendre. En étant hors ligne, ces cloches sonnent de manière répétée et parfois à des moments précis, comme lorsqu'on se rapproche de la grande cathédrale par exemple. Juste ici, on récupère un fragment de pierre de sang. Fragment de pierre de sang fragment solide formé dans du nécro sang. Après la mort, une substance présente dans le sang se solidifie. On appelle pierre de sang la partie qui ne se cristallise pas. à l'atelier, ces pierres de sang sont intégrées à des armes afin de les renforcer. Un nouveau mot de vocabulaire propre au jeu nécro sang ça signifie le sang de mort, quand quelqu'un meurt dans l'univers de Bloodborne, une partie de son sang se solidifie, la pierre de sang se forme dans la partie qui ne se cristallise pas. Ce fragment est une partie de la pierre de sang, et il sert à améliorer les armes dans l'atelier comme nous le disait German. que je reste à distance avec la canne en forme fouet et mon personnage n'est pas recouvert de sang donc ils ont été jusqu'à euh, ce souci du détail là ce n'est pas juste la description qui dit que si on utilise la forme fouet on ne va pas être recouvert de sang englouti par le sang des monstres en japonais c'est vraiment intégré dans le jeu également le jeu calcule la distance en fait, qu'on a euh, entre le corps à corps et euh, le fait de rester à distance pour qu'on évite toutes les, euh, les éclaboussures de sang. Je vais m'équiper d'une autre arme pour qu'on voit ça. Là pour le moment, regardez, je n'ai vraiment... Enfin euh, j'ai presque pas de sang sur moi. J'ai une petite tache au niveau des fesses sur le pantalon. Et pourtant, j'ai tué pas mal d'ennemis. J'ai aussi quelques tâches là-devant. On va utiliser une arme qui est purement corps à corps maintenant. J'ai déjà pas mal de sang là. On le voit dans mon dos. On va aller se débarrasser des hommes au fusil. Ah là vous pouvez voir hein, quand quelques ennemis alors j'ai dû tuer à peu près le même nombre d'ennemis et on peut voir la différence je suis vraiment recouvert de sang là. alors mon personnage n'est pas encore tout rouge comme on peut l'avoir hein, si, si on ne retourne jamais au rêve du chasseur et qu'on fait que combattre au corps à corps à la fin notre personnage est vraiment recouvert entièrement de sang rosé de nécro-sang. Goutte de nécro-sang, contenant des échos du sang, permet d'obtenir des échos du sang. Les chasseurs vivant dans le rêve reçoivent de la force grâce aux échos du sang, qui injectent en eux un sentiment de vénération et même de gratitude envers leurs victimes. C'est une goutte de nécro-sang ou de sang de mort qui permet d'obtenir des échos du sang. La description indique que les chasseurs du rêve peuvent recevoir de la force grâce aux échos du sang. Ça renvoie encore une fois à ce que disait German. Autrefois, cet endroit était un refuge pour les chasseurs, un atelier leur permettant d'améliorer leurs armes et leurs chairs avec du sang. La dernière phrase de la description est intéressante ici puisqu'elle illustre une thématique extrêmement importante en relation avec les échos du sang. En japonais, les échos du sang apparaissent sous l'expression shinoishi, qui signifie littéralement les dernières volontés du sang. Les échos du sang représentent de la volonté contenue dans le sang. Il s'agit en réalité de la volonté des défunts qui sont morts pendant la chasse, mais qui, de leur vivant, animés de volonté et de motivation qui leur étaient propres. En absorbant ce qui est appelé les échos du sang, le chasseur s'imprègne de ce que j'appelle la volonté du sang. Plus la volonté et les sentiments contenus dans ce nécro-sang sont forts, plus le personnage recevra d'échos du sang. Nous le verrons plus tard, mais il existe d'autres types de nécro-sang dans le jeu. N'oublions pas également que la stat vitalité représente la volonté de survivre du personnage. Le thème de la volonté est l'un des piliers de Bloodborne. C'est un thème extrêmement important. D'ailleurs, ce thème est omniprésent au point qu'il apparaît sous deux expressions très similaires mais qui diffèrent en écriture en japonais. Parfois, le thème de la volonté apparaît sous les kanji ishi et signifie la volonté contenue dans le sang qui peut être récoltée par le personnage, ce sont les échos du sang qui en japonais se disent no ishi Puis parfois, ce thème de la volonté apparaît sous les kanji Ishi, qui littéralement veut dire la motivation ou le désir d'une personne de faire quelque chose. Il ne faut surtout pas confondre les deux. Retenez que Ishi et la volonté des morts contenue dans le sang et je l'écrirai toujours en bleu tout le long de cette rune et il y a ichi ça se prononce exactement de la même manière mais les kanji diffèrent et cette deuxième version signifie la motivation ou la volonté d'une personne encore en vie et là je le noterai en rouge tout au long de cette rune Bloodborne est d'ailleurs le seul jeu de ce type de From Software dans lequel on ne débute pas l'aventure avec zéro écho du sang, qui représente la monnaie du jeu. Dans les Dark Souls, il s'agit des âmes. Vous prenez n'importe quel Dark Souls, vous mettez nouvelle partie, vous allez commencer l'aventure avec 0 âme. Dans Bloodborne, c'est l'origine que l'on va choisir qui va déterminer le montant d'écho du sang avec lequel on va débuter l'aventure. Si vous choisissez l'origine timide, vous commencerez l'aventure avec 300 échos du sang. Si vous choisissez dernier survivant, vous aurez 420 échos du sang. Enfance perturbée, 360 échos du sang. Passé violent, 180 échos du sang. Professionnel, 240 échos du sang. Vétéran de guerre, 320 échos du sang. Noble rejeton, 540 échos du sang. Cruel destin. 500 échos du sang, gâchis, 10 échos du sang. Toutes les origines commencent au niveau 10, exception faite pour l'origine gâchis qui débute l'aventure au niveau 4, le niveau minimum. En regardant ces origines de plus près, on peut voir que les descriptions renvoyant aux notions de faiblesse, de doute, voire de trouble, commencent avec un taux d'écho du sang faible comparé aux origines qui ont une description mentionnant la certitude, l'assurance ou la force, qui sont celles qui affichent un taux d'éco du sang plus important. Ce qui est raccord avec le thème de la volonté, puisqu'une personne dotée d'assurance sera plus incline à entreprendre des choses et à être motivée, comparé à une personne vivant dans l'incertitude. J'imagine que vous n'êtes pas d'ici pas de chance d'être dehors une nuit de chasse. Oh, pauvre petite chose. <laughs> On récupère une jarre d'huile. Jarre d'huile. Lorsque cette jarre atteint sa cible, celle-ci est recouverte d'huile et devient alors très inflammable. Le feu est couramment utilisé lors de la chasse et les jarres d'huile en augmentent les effets. Il peut arriver qu'en brûlant les monstres, les chasseurs soient comme intoxiqués par l'euphorie de la purification. Au-delà de la précision de gameplay, on apprend que la chasse peut intoxiquer les chasseurs à cause de l'euphorie de la purification ce qui renvoie aux interventions de la doctoresse Yosefka et de gilbert l'étranger lorsqu'on les a attaqués vous êtes plus calme oh, dieu merci ne vous laissez pas dominer par la chasse rappelez-vous qui vous êtes vous n'êtes pas un monstre on dirait que vous avez fini par craquer quel dommage la version japonaise parle de s'enivrer d'excitation, plutôt que de s'intoxiquer par l'euphorie. L'utilisation du verbe enivrer n'est pas anodine ici, et c'est quelque chose qui reviendra souvent par la suite dans l'aventure. Torche. Torche commune, formée d'un long bâton entouré d'un tissu imprégné de résine de pin. Les chasseurs apprécient les torches qui éclairent les recoins obscurs dans lesquels les mènent la chasse et repoussent certaines créatures terrifiées par le feu. On retrouve le fait que certains monstres yarnam ont peur du feu comme l'indique la description euh, du cocktail Molotov. Alors on a récupéré les pièces étincelantes, on les lira plus tard. C'est un drop aléatoire, je n'ai pas prévu de les lire ici. Euh, voilà, donc on les lira plus tard, on va les récupérer plus tard dans l'aventure. Ici on peut entendre la musique d'une boîte à musique. On reviendra ici plus tard. On entend un hurlement de loup. Il est il est scripté hein ce cet hurlement. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore commenté, c'est la présence des euh, des cercueils. La ville est vraiment pleine de cercueils. On voit que bah, la chasse a fait de nombreuses victimes. Pour le moment, je ne parle pas trop de ce qu'on voit euh, enfin, des visuels parce que je n'ai pas encore la longue vue qui permet un petit peu de zoomer sur euh, les différents éléments graphiques du décor. Mais là, on peut voir que il y a pas mal de, de cercueils encore là-dedans. Euh, il y en a qui tiennent debout ici. Il y en a en dessous. Enfin bref, il y en a partout. de nécrosant alors je vais revenir dans le bâtiment mais je vais passer par un autre chemin pour ouvrir un raccourci Mixture acre à base de sang. Mixture de sang vieilli, dont l'odeur acre qui se dégage lorsqu'on la lance attire les monstres assoiffés de sang. Un outil précieux dont il n'existe malheureusement que peu d'exemplaires. Yarnam produit plus de sang que d'alcool, les effets enivrants de ce dernier étant moindres. Les monstres sont à la recherche de sang et cette mixture peut servir de leur pour les attirer. De plus, on apprend que Yarnam produit plus de sang que d'alcool, car le sang enivre plus. Souvenez-vous que Gilbert nous a indiqué le chemin de l'église du Remède dans le faubourg de la cathédrale, puisque l'église du Remède est une institution qui semble étudier le sang. Mais, mais si c'est du sang que vous voulez, vous devriez aller à l'église du Remède. L'église détient la clé de la thérapie du sang et des différentes sortes de sang. L'enivrement dû au sang. Rappelle ce que nous venons de lire dans la description de la jarre d'huile en japonais qui indiquait que les chasseurs pouvaient s'enivrer d'excitation en brûlant les monstres. Cela peut faire écho une nouvelle fois à la description en japonais de la canne fouée qui signalait que les chasseurs préfèrent utiliser la canne fouée sous forme de fouet pour éviter de se faire engloutir par le sang des monstres. Enfin, n'oublions pas que les Yanarmiens sont accros au sang. On le voit dans la description de la fiole de sang en japonais. Une addiction qui vient du fait que le sang restaure une volonté de survivre, autrement dit la barre de PV du personnage, une volonté de survivre ou une force qui trouve également sa source dans les désirs non assouvis de personnes défuntes. Sans le voyez dans le terme écho du sang en japonais, no ishi A noter que l'adjectif acre peut être utilisé autant pour l'odorat que pour le goût. Cela désigne une odeur ou un goût très puissant, piquant, qui prend au nez ou au palais. La description de cet objet ne traite que d'odeur, cela dit. La mention du goût n'y apparaît pas. Quand la chasse a commencé, l'église du remède nous a abandonnés. Ils ont barricadé le grand pont menant au faubourg de la cathédrale et ont brûlé le vieux Yarnam. Une note sans doute écrite par un des habitants de Yarnam. L'église du remède a préféré barricader l'accès au faubourg de la cathédrale qui est notre destination, si on suit les conseils de Gilbert. L'église du remède a brûlé le vieux Yarnam, ce qui rappelle la description du cocktail Molotov. La version japonaise de cette note révèle un nouvel élément. Elle indique ⁇ L'église du remède a tenté de nous abandonner comme lors de la nuit de cette lune, lorsque le vieux Yarnam a été abandonné dans les flammes. ⁇ Pour l'instant, on ne sait pas à quelle nuit de cette lune le jeu fait référence. On va ouvrir le raccourci qui mène à la maison de, de Gilberte. Lorsque l'on meurt, on n'atterrit plus au rêve du chasseur. Ça contredit totalement ce que l'on a vu dans le premier épisode. Selon moi, cette décision a été prise pour des soucis de quality of life, qui en game design renvoie à une manière de rendre plus agréable la progression du joueur au sein d'un jeu. C'est donc une décision qui va à l'encontre du fonctionnement de l'univers et de ce que nous a montré le jeu jusqu'ici. N'oublions pas que Bloodborne est un jeu vidéo et que même si le studio qui l'a développé a le souci du détail, Bloodborne n'en reste pas moins un jeu qui doit procurer du plaisir au joueur qui le parcourt. Renvoyer le joueur à la dernière lanterne utilisée lui évite de subir un temps de chargement supplémentaire. Si la mécanique de la mort avait été très cohérente avec l'univers, le joueur aurait eu à subir le temps de chargement entre sa mort et sa réapparition au rêve du chasseur puis un nouveau temps de chargement entre sa téléportation entre le rêve du chasseur et l'endroit où il a péri. Pour éviter ça, From Software a décidé de faire réapparaître le joueur à la dernière lanterne utilisée. Il n'y a aucune information officielle à ce propos et donc il ne s'agit que de suppositions de ma part, mais ce sont des suppositions qui peuvent faire sens. Sacrifier une cohérence absolue de l'histoire du jeu au profit d'un plaisir de jeu accru. Pour en revenir à cette histoire de Yanarmien accro au sang, à la volonté contenue dans le sang, à l'enivrement du sang plus important que celui de l'alcool, etc., on peut remarquer que quand on meurt dans Bloodborne, L'ennemi qui nous a tué a une chance de récupérer les échos du sang du personnage. Le personnage perd alors tous ses échos du sang et donc toute sa volonté contenue dans son sang. L'ennemi l'absorbe pour la faire sienne et s'imprégner de la force et de la volonté du personnage. Il va falloir le tuer à notre tour pour récupérer notre volonté du sang. Cette mécanique de volonté ou de force incluse dans le sang est traduite également par le gameplay. C'est une des forces de From Software, de lier le gameplay et l'histoire de leur jeu tout en ayant ce souci du détail, justement. On retrouve ce souci du détail dans le fait que la canne fouée, comparée aux autres armes, permet de ne pas recouvrir le personnage de sang de monstre, exactement comme le mentionne la description de la canne fouée. On récupère nos échos du sang. Allez, on se dirige vers le premier boss de du jeu. C'est un boss optionnel mais euh, on va le faire. C'était le monstre clérical. En japonais, le nom du monstre clérical ne change pas. Après le combat, le message ⁇ Toi abattu ⁇ apparaît. Dans les versions anglaise et japonaise, c'est ⁇ Tu as chassé ⁇ qui apparaît. Ce qui montre que le monstre clérical était l'une de nos cibles de la chasse. Les cris du monstre rappellent le cri qu'on a entendu lorsqu'on montait l'échelle en sortant de la clinique de Yosefka. L'échelle, elle est visible juste ici, puisque le pont, c'est le pont qu'on pouvait voir depuis la maison de Gilbert. Après le combat, on va recevoir un objet clé euh, qui s'appelle le badge de chasseur épée. L'un des badges créés par l'Église du Remède, l'épée symbolise un chasseur de l'Église. Ludwig fut le premier des nombreux chasseurs de l'Église du Remède à arriver. Bon nombre d'entre eux étaient des prêtres, qui devinrent les plus terrifiants des monstres. Même si avant on pouvait commencer à avoir des soupçons sur le fait que les monstres étaient en fait des humains transformés, avec ce badge nous en avons la confirmation puisque le badge signale que le monstre clérical était en fait un prêtre de l'Église du remède. Ce badge, créé par l'Église du remède, symbolise un chasseur de l'Église. Ludwig était le premier chasseur de l'Église du remède, donc ce badge le représente également. C'est en fait un symbole que portaient les chasseurs de l'Église pour se reconnaître entre eux. La version japonaise précise que l'épée est d'argent. De plus, elle indique que les chasseurs de l'Église du remède tels que Ludwig étaient aussi des personnes appartenant au clergé. C'était des prêtres en gros. Et que comme ils appartenaient au clergé, ils se sont transformés en des monstres terrifiants. C'est ce qui explique en partie pourquoi les habitants de la ville ne sont pas des monstres très terrifiants. Et pourquoi le monstre clérical, lui, l'était. Par rapport à cette différence de taille entre les monstres lambda et ce venant du clergé, on peut trouver une réponse dans une interview de Hidetaka Miyazaki, le directeur du jeu. L'envie de se transformer en une bête est en conflit avec le sens fondamental de l'humanité que nous avons tous. Cette humanité sert comme une sorte de chaîne qui maintient la transformation en place. Plus ces chaînes maintiennent la transformation en place, plus la force de la transformation est puissante lorsque ces chaînes sont finalement brisées. Les résultats qui s'ensuivent causent une transformation en une créature plus grande ou une créature encore plus difforme. La lutte entre ces deux envies est un concept ici. Vous pouvez clairement le voir avec les personnages de type bête designés au début du développement. En particulier le monstre clérical qui sert en quelque sorte de symbole. Cela rejoint l'idée selon laquelle le monstre clérical est vraiment la bête la plus redoutable de toutes. Selon Hidetaka Miyazaki, l'humanité d'une personne l'empêche de se transformer. Et si la transformation survient, c'est que le conflit qui oppose l'humanité et la bestialité a été remporté par la part de bestialité que chaque personnage en lui. Si on suit cette logique, les hommes d'église dans Bloodborne seraient en quelque sorte les personnes les plus humaines qui soient, puisque ce sont les bêtes les plus terrifiantes, à l'image du monstre clérical. Ce qui démontre que leur humanité a tenu très longtemps face à leur part de bestialité qui a fini par l'emporter. Ainsi, les habitants ont succombé rapidement à la bestialité, les trolls et les bourreaux qui sont des monstres un peu plus imposants ont un peu plus résisté, et les hommes d'église apparemment sont ceux qui résistent le plus. Plus tôt, nous avions parlé du design des gens agressifs vis-à-vis -vis du personnage qui avait le bras gauche plus long que le bras droit. Le design du monstre clérical est similaire. L'une des références possibles à ce choix de design est celle de la voix de la main gauche, présente dans certains cultes religieux, dans l'ésotérisme, voire même dans l'occultisme. Pour l'ésotérisme, la main gauche est associée au cœur et à la bonté tandis que la main droite correspond au savoir, à l'étude et à la connaissance. Dans l'occultisme, la main gauche est assimilée au mal et la main droite au bien. C'est une dualité qu'on retrouve entre les deux types de magie, magie blanche pour la main droite et magie noire pour la main gauche. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, la voie de la main gauche est associée à des pratiques rituelles de sacrifice et de consommation d'alcool, voire d'autres substances toxiques et illicites, comme les drogues entre autres. Toutes ces pratiques sont considérées comme impures. Cette voie consiste à suivre cinq règles, parmi lesquelles la consommation d'alcool et de stupéfiants dans le but de transcender le corps considéré comme une certaine prison ou une limite. Le but de ces pratiques dites interdites est d'atteindre ce qui est appelé l'éveil par la transcendance de l'ego, notamment. Le design du monstre clérical peut aussi faire penser au Wendigo, un cryptide cannibale humanoïde d'origine nord-américaine qui a une tête très semblable à celle du monstre clérical. Pour le moment, on ne sait pas encore d'où viennent tous ces monstres. Yosefka parle de maladies et d'infections alors qu'une note dans le rêve du chasseur parle d'éliminer la source du fléau des monstres. Pour résumer la situation sur ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, sur le site officiel de PlayStation, qui n'est plus en ligne aujourd'hui, on pouvait lire ce synopsis de Bloodborne. Une terre maudite, cachée parmi les confins des montagnes sinueuses de l'Est. Cette ville est isolée, oubliée, maudite. Une calamité a maudit la ville pendant d'innombrables années, un cauchemar endémique connu sous le nom de fléau du monstre. Ceux qui contractent cette maladie perdent la raison, se transformant en ce qui peut être uniquement décrit comme des bêtes. Nuit après nuit, des chasseurs apparaissent pour nettoyer les rues de ces horreurs. Sur ce même site officiel de PlayStation, il y avait d'ailleurs un écran dédié au monstre clérical. Le monstre clérical. Le fléau qui frappe Yarnam a laissé de nombreux habitants du Yarnam dans divers états de transformation en toutes sortes de bêtes sauvages. Mais le monstre clérical est sans aucun doute l'une des plus grandes bêtes difformes que les chasseurs sont tenus de rencontrer. La forme décharnée de cette créature s'oppose à son immense pouvoir et son cri perçant fera réfléchir à deux fois même un chasseur endurci